Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode infâme encore et toujours pour la suite de Infamous 2. Alors, et cette fois-ci vous l'avez remarqué, je sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être parce que ça a été très vite, mais on est sur la nouvelle île, ils nous ont fait revenir d'ici, voilà, on était là, on est revenu là. Alors j'ai presque pris toute la totalité du territoire, du... voilà, il manque le petit kibou là, vous savez, le petit carré, mais bon, voilà, j'irai là-bas un petit peu plus tranquillement. Mais bon, alors à savoir que si, avant d'activer la mission principale, j'ai des nouveaux trucs que je peux m'acheter. Normalement, parce que j'avais fait quelques missions en off, voilà, annexe. Comme le grenade multiple qui colle par... C'est des grenades collantes multiples. Ça fait office de deux. Ah bah j'ai pas assez de toute façon pour les lâcher, c'est 5500. Mais bon, voilà, je peux m'acheter ça, comme ça vous le savez. J'avais d'autres choses, je crois, oui, je vais acheter Hérisseur. Ah, Cole lance une escouade de petits... Ah oui, c'est le monstre, on avait vu ça dans une autre vidéo. Bah non, en fait c'est tout. Je croyais que je pouvais m'acheter des choses plus que ça. Ah bah non, bah je vous ai fait la hype pour... Voilà, pour que pouic, voilà, je vous ai fait une fausse hype. Moi qui avait cru avoir débloqué plus de trucs que ça, c'est un peu bizarre quand même. Parce que j'avais fait un truc. Ah, pourtant il me semble que j'avais fait ça dans une vidéo de réaliser une cascade faite de la roquette, infliger des dégâts à 3 ennemis avec une seule roquette. Et bah écoutez, je ne suis pas. Ah bah alors, ok. On va essayer de le faire, la mission, voilà. Excusez-moi, je vous ai fait la hype pour l'IA. Oh mon dieu, approche de la bête, vous avez vu le titre de la mission. Hey, beau gosse. Ça te dit d'aller faire un tour? On profite des avantages de mon statut d'agent double? Allez mec, la bête va pas tarder, on n'a pas le temps de faire ça. Oh, c'est là que tu te trompes mon vieux. Je nous ai trouvé un moyen infaillible d'éliminer la bête. Rends-toi utile. Enlève ces tôles là-bas. Tu vas voir. Explosion. D'accord. Merde. Oh, d'accord. C'est un missile. Ah oui. Je suis assez fan de bombes, mec. Comme Bertrand d'ailleurs. Il a demandé à Wolf de lui confectionner ce petit bijou. Je suppose que c'était au cas où une expérience tourne mal. Très mal. Okay. Allez, on y va. Ok. Zek, tu veux utiliser ça sur la bête? Ah, ça peut marcher. Lui mettre une petite. Toute la ville, vieux. Pas si on frappe bon, c'est pas grave. Avant qu'elle atteigne tout. Quoique, s'il fait exploser la ville, ça me ferait encore une ville en moins que je pourrais prendre. Alors non, Zeki, en fait, non, parce que déjà j'ai perdu en Power City à cause de cette conne de bête. Alors, vous voyez, si tu exploses l'autre ville que je veux avoir, bon, certes, elle est pas super tip-top par rapport à Empire City, mais bon, hein. Voilà, merde, alors. J'ai déjà réglé le système de visée sur une des grues du port. Reste plus qu'à mettre le missile en place. Ben... C'est vrai que j'aime les explosions. Oui, c'est vrai. Moi aussi, mec. Hashtag, j'adore faire exploser les bombes. C'est lui. On a encore le temps. Ouh là là. Je vais essayer de dégager. On a encore le temps, pas vraiment. Hein. Il fait 5 km à chaque pas, quoi. Enfin, 10 km à chaque pas. Oui, bonjour, mon messieurs. Pote, dégage ce truc de ma route. Attends. Si tu sais ce que c'est. Ah, attendez, parce qu'il faut que je change le truc de explosion. Parce que sinon, ça va pas les envoyer loin. Voilà. Sinon, parce que si je prends le truc de donner le cancer, ça va pas m'assez. Hey, on se calme. Bon, tu vas voir, moi j'ai dit non, les roquettes dans ta gueule. Attends, il y en a encore qui me tirent dessus. Vous êtes encore en vie là-bas? Attendez, je reviens, j'ai plus d'électricité. Ouh, alors toi, ou attends, ou viens là. Oh, j'ai explosé, viens là, voilà, explose dans ta gueule. Du coup, voilà, hop, hop. Yeah. Monsieur, veuillez descendre de votre véhicule. Voilà. Vous bloquez la route, monsieur. Vous aussi, vous bloquez la route. Je peux pas le contourner. Oui, bah t'as 2 secondes. Tu vois bien que je m'occupais des méchants qui étaient devant. Oh, t'inquiète pas, on va lui mettre le suppôt dans le cul. Attendez, excusez-moi, il y a un truc qui s'affiche sur mon ordi. Voilà. Hop, là. Et on va lui mettre le suppôt dans le cul à la putain de bestiole. Cole, t'es en plein milieu. Ah, 2 secondes. Attends. Bon, en fait, ça irait plus vite si je... Non, attendez. Ça irait plus vite si je faisais... Je changeais ça par... Non. Par ça, par ça. Non! Ah, voilà. C'est celle-là. Hop. Ouais. Va par là. Et va par là.
Voilà, c'est bon, vas-y, avance, je le ramène. Oui, oui, bah attends. Oh, je vais peut-être pas mettre sur la bombe par contre, hein, sur la roquette. Ça va, je te gêne pas trop, hein, tu peux conduire. Je te gêne pas là, hein. Ça va, bon, ça va, c'est bien. Mais bon, tu peux passer là. Ah merde, c'est pas un pont, c'est une décharge. Ouais, bah ouais, merci, j'avais vu ça. Hein. Attends, hop. Ah merde, il me faut. Putain, toi, ça va te gêner, ça, je suis sûr. Oh merde, j'allais le faire passer entre les trucs. Vise la canonnière là-bas. La canonnière. Qu'est-ce que c'est de faire ? Détruire la ville ? Quelle canonnière ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne vois rien. On me tire dessus, mais je ne vois rien. Ah d'accord, ok, c'était là. Bon alors attendez, vous allez avoir de mes roquettes. Une nouvelle, j'ai dit roquettes, vous avez compris. C'est fini, oui. C'est fini. Bon. Toi aussi. C'est fini. Ta gueule. Voilà, merci. Bon, par contre, ça va être maintenant pour remonter. C'est pas gagné. Attends, je peux compter sur ça là? Encore coincé. 2 secondes, j'arrive. Je me suis un petit peu coincé tout seul. Je crois que je vais devoir recommencer la mission. Ah, quoique, non, c'est bon. J'avais une allonge. Oula, oula, il y a un ravageur. Bon, alors, attendez. Dégage le chemin, mon pote. Dans ta gueule. Voilà, attendez, est-ce que du machin? Ah merde, j'ai plus d'électricité. Ah, attendez, attendez. 2 secondes, pouce bleu. Pouce bleu pour la vidéo. Mais putain, je le loupe en plus, ce con. Tu vas. Mais vous allez vous barrer, oui. Voilà, merci. Voyez où l'autre ah, le monstre est là. Tiens, roquette dans ta gueule. Quoi encore? Putain, mais c'est pas possible. En veux, ou quoi? Oh merci, t'es parfait toi. Donne-moi ton âme et l'énergie illimitée pendant quelques secondes. Voilà, 2 roquettes dans la gueule, ça va le calmer. Je suis bloqué, encore. Ah bah non, mais laisse-moi m'occuper des méchants, j'arrive. Putain, mais je suis en train de m'occuper de tous les méchants, mais qui a pu le mettre KO? Non mais oh. Ah là là, franchement, ce jeu, des fois, hein. Là, le monstre, il tienne pas trop. Ah, ça va. Allez, on fait petite. On le promène, on va prendre le machin. Oh, c'est bon, 2 secondes. En fait, si tu t'éloignes trop du camion, il dit que c'est qui. Il y a la milice qui l'attaque, alors qu'il n'y a pas du tout de milice, tu l'as fini en fait. Voilà, là c'est bon. Il gêne pas. C'est bon, le monstre se gêne pas. On va promener. Comment on va l'appeler? Il s'appelle. C'est un ravageur, mais on va l'appeler. Je lui donne un petit nom. Voilà, on va promener Hubert. Allez hop, on promène Hubert. Hubert, et là tu peux l'écraser. Ah bah au revoir Hubert. J'étais attaché à toi, enfin en tout cas le camion s'était attaché à toi. Bon par contre faudrait que je trouve 3 personnes en même temps et leur lancer des roquettes dans la gueule. Ah oui, attends, est-ce qu'il y a là? Attends, est-ce que je peux leur lancer dans la gueule? Ils sont où? On lance un peu partout. Ah, mais c'est des mecs de glace, ça c'est les copains de la Reine des Neiges. Allez hop. Oh, tu vas me donner de l'énergie toi, merci. Voilà. Attends. Oula. Oui, il faut pas que je me l'occupe d'eux en fait, c'est ça le truc. Oh putain. Ah ouais, il y a un mec. Ah, mais il y avait des gens derrière quoi, putain. Ah, c'est chiant. C'est chiant de. Je déteste les objectifs comme ça, de protéger un truc. Parce que c'est la merde. Voilà, c'est la merde. Mais arrêtez de m'attaquer moi, attaquez les monstres quoi. Ah, regarde ces mecs. Au moins ils nous tirent pas dessus. On n'a pas le temps. Bon, ils nous tirent pas dessus, tout à l'heure ils m'ont attaqué quand même. Hein. Hey, yeah. Le tour du cou. Je sais pas comment je vais appeler ces techniques, je sais pas trop comment le donner. Le tour du cou. Le tour de cou, tour de cou, c'est pas mal. Ouh, il est bientôt mort lui. Mais non mais. Je veux la grosse voiture. Bah vas-y alors, vas-y, bah vas-y, alors on y va, on s'en fout. Ah non, il était déjà. Ouais voilà, c'est ça, fais pas attention au camion. Voilà, allez, vas-y, voilà. Ils évitent tous le camion, c'est bien. Avec la putain de grosse roquette, de gros suppôt à l'arrière du camion.
Hop là, oh là, j'ai failli sortir du sac. C'est bon? On arrive à destination? Voilà, tombe pas dans l'eau. Hein. Je vais mettre le camion en position. Toi, grimpe sur la grue le plus vite possible. La grue laquelle? Écoute, il y en a trois. De visée là-haut. Il y a trois grues, mais. Utiliser pour guider le missile jusqu'à la mer. Sinon, qui sait qui pourrait se le manger? Ah, c'est celle-là, excusez-moi, j'avais pas vu l'objectif sur le radar. J'étais en train de chercher, il y a trois grues. Je veux bien être gentil, moi, mais. Monte sur la grue, je veux bien, mais laquelle, quoi? Il faut faire quoi? Trouver les jumelles de visée sur les grues. Ah oui, mais d'accord, ok. Ah bah, elles sont là, bah, c'est parfait. Bien installé. Oh, elle est belle la bête. Oh, on va la défoncer, la gueule. On vide son cul pour le mettre dans la suppo dans le cul. Alors, hop, attends, on vise. Alors, R1 pour acquérir la cible de missile. Voilà, ok. Alors, dans le cul. Allez, ici le petit cul, voilà, ici juste là, voilà, bien. Attention. Oh bah non, mais monsieur, je suis en train de parler, je suis en train de viser surtout. On a qu'une seule chance, mec. Oh bah, oh, fais chier. Bon bah, okay. On descend, allez, ascenseur, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais ils sont même pas KO en plus, hein. Putain, mais toi, t'as ta gueule. Bon, ils sont où? Ils sont où? Ils sont un peu partout. Il faut que j'aille chercher. Ah bah. D'accord, ah j'ai gagné le truc de la roquette. Ah bah c'est cool ça, je peux m'acheter la roquette. La roquette Jokari. Deux chers, bon on va l'acheter, allez hop tout de suite, voilà c'est fait comme ça. Et maintenant je voulais faire ça moi. Donnez-moi vos âmes. Non, ok bon il y avait personne. Je sais pas si j'ai touché quelqu'un en vrai. Mais... Bon alors attendez, parce qu'ils sont où tous les gens là? Parce que... D'accord, il y a un mec comme ça, ok. D'accord, j'ai traversé la map. Je suis mort en un coup et j'ai traversé la map. Ok. C'est très très bordélique comme épisode, bordel. Bon, voilà, attendez, parce que là, il y a. Mais ils sont un peu partout, alors c'est chiant. Ouh là là, c'est efficace, bordel de merde, le truc de la roquette. Voilà, oh, oh, je l'ai fait envoler. Oh, il s'est envolé. Oh putain, on l'a même pas vu retomber. Je sais pas où est-ce qu'il est parti sur la lune, je pense. Si vous cherchez un homme sur la lune, on l'a trouvé. Oh! Toi t'étais au mauvais endroit, mauvais. Mais attends, je suis sur. Oh là là, oh là là, oh là là, mais. Et je sais même pas d'où ça vient, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement bordélique. Toi, ta gueule. Ouh. Bon, il en reste plus qu'un. Oh putain, le... C'est... Oh mais non, il en reste encore un d'autre derrière. C'est bon là, t'es KO là. Oui, c'est bon. Et non, il doit être tout là-haut, putain. Bah, il est en bas ou en haut? Il était en bas, ok, moi je disais qu'il était en haut mais... C'est bon? C'est bon! Merci! Merci de répondre à ma question. Oh putain! Ah bah putain! Et franchement, j'avais oublié que c'était chiant ce moment-là. Le problème, c'est pas qu'ils soient nombreux. Bon, c'est un petit problème, mais. Et surtout qu'ils sont en haut, en bas, en bas, en haut. Il y a des gros en haut. Il y a deux gros en haut qui tirent au laser. Du coup, faut que tu montes pour essayer de les avoir. Parce que comme ils sont un peu en hauteur, et bah c'est un peu la merde. Du coup, tu étais tout le temps en train de descendre, monter, en train de descendre, monter et chercher tout le monde. Parce qu'ils sont un petit peu derrière, cachés un petit peu derrière leur truc. Alors voilà, c'est surtout ça qui est chiant dans cette putain de mission. Sinon ça aurait été easy money, j'aurais mis tout le monde au même endroit, j'aurais aspiré toutes leurs âmes et c'était fait. Mais bon, hein, faut un petit peu de difficulté. Bon alors on est en train de viser son cul. Oh, je peux pas aller plus bas. Bon, excusez-moi, on va viser son bas du dos, mais le missile va aller dans son cul. Hein. Considérez qu'il est dans son cul. Va péter. Faut mettre du temps pour charger quand même. Bon, vous croyez qu'il était en haut de son dos le missile, mais en fait c'était une illusion d'optique à cause de la distance. C'était bien dans son cul qu'il est tombé. On lui a mis le suppo dans le cul, un bon suppositoire enflammé et explosif. J'espère que ça va lui apprendre les bonnes manières en tout cas à cette bête. On a réussi. J'aurais préféré l'affronter. Bon, il aurait vu à quel point je suis un fan. On dirait qu'on a gagné. Zek, putain, t'es où? Oh le bordel qu'il a foutu, par contre j'aime bien ça Zeki, c'était pas mal. J'arrive, je viens te remercier. T'es où? Non, on va pas en faire toute une histoire. Allez, enlève-moi ça. Attends mec, t'as réussi à te faire écraser par ça?
Le machin, il fait même pas 5 cm, enfin 20 cm de long. Tu pouvais, je sais pas, encore ça aurait été un camion ou. Oui, encore il serait mort un camion. Allez hop. Pardon, excusez-moi. J'ai visé pourtant le ciel, mais c'est parti sur le poteau qui était juste en face. Bon, on s'en fout un peu, c'est zéqué quoi. Le mec, oh merci mec, tu m'as sauvé. Et après, bam. Explosion dans son cul. Le vrai ami quoi. Bon là on va là-bas, là y'a pas, y'a rien là, voilà, parce que j'ai été ce poteau là de merde. On l'a eu. Ah bon ça. Merde Zek, t'as besoin d'aide. Ça me rappelle. T'as un labago. Quand Kessler m'a botté le cul. Bah là je peux le faire le cul. J'aurais botté le cul. Ah c'est pareil. Oh bon maintenant. Mon pote, je suis pas en état. Oh putain, super, faut le protéger lui maintenant. Tu dégages la voie vers le camion. Attends. Je vais soulever ça. Ah il faut que je soulève des trucs. Ok alors. C'est quoi qu'il faut soulever? Ah d'accord, faut que j'appuie sur. Moi je faisais l'impulsion. Je suis un vrai ami. Je savais pas qu'il fallait que je le maintienne moi. Je croyais qu'il fallait juste appuyer une fois. Vous savez, il y a des fois dans le jeu ils disent appuie une fois pour récupérer un truc, t'appuies qu'une fois. Et là faut laisser appuyer. Du coup moi j'appuie qu'une fois. Le mec, je l'ai déjà tout à l'heure, j'explose la gueule en le faisant croire qu'il est sauvé d'affaires. Et là je l'écrase sur sa gueule quoi. Ouais. C'est pas vrai. Il a bouffé une bombe. Ah d'accord. Et on veut encore. Si je ralentis, on va crever tous les deux. Bon, il veut pas venir. Attends, mec. Faut que tu continues le combat. Tu pourrais la fermer et te mettre en route. Oh, elle revient. Oh, saloperie quand même. Elle, elle triche, hein. Elle triche la bête. Elle peut se régénérer à volonté, hein. Moi, je peux que me régénérer quand il y a l'électricité autour. Et encore, hein, il faut que j'emmagasine beaucoup d'énergie. Ouais, bien vu. Faut qu'on file. Elle triche. Elle triche la bête. Moi je le dis. Elle est pas hein. Allez on y va. Ah bah c'est le cas de le dire. Eh merde. Go, go, go. Tricheuse. Putain mais franchement j'avais réussi à presque avoir toute la ville dans ma poche, j'avais presque un quartier entier, j'avais presque l'autre ville en... l'autre quartier de la ville. Franchement hein. La bête est à New Marais. Non sans déconner. Oh je rajouterai en bas. Non sans déconner. pensez au montage à faire ça. Ah bon d'accord, ok. Mais ok. Oh putain. Vous avez vu comment il nous coupe dans, dans notre élan? Eh ben écoutez, on va arrêter là sur un cliffhanger des plus totales. Putain, mais genre, il y a une bonne mission là, mais j'ai fini les missions de mission, on devrait pas avoir de bonne mission. J'ai traqué Bombzilla jusqu'au Gasworks. Bombzilla. Mais pas de bol, j'ai fini par le perdre. T'en fais pas, il finira par revenir. Eh bon, bon, dans cet épisode, on a mis un putain de suppositoire fusée dans le cul de la bête. On a pu un peu se venger, on lui a fait un peu mal quand même. Voilà, comme cette demoiselle où j'ai foutu une fourche dans le derche, mais en fait c'est plus dans le visage. Mais bon, comme je sais pas reconnaître les trucs. Alors attendez, je vais juste voir la mission. Elle est où la prochaine mission? Elle n'est pas assez affichée ou c'est pas encore affiché? Ou alors c'est moi qui est aveugle? Je suis sûrement aveugle. Ah, elle est là, pardon, excusez-moi, je l'avais pas vu. Ok, la mission, maintenant, elle est de nouveau dans le quartier inondé. Un quartier qui n'est pas super. Et bon, allez, bah, bah moi, dans ce cas-là, je vais prendre le dernier quartier qui se trouve ici. Parce que comme je suis dans la ville, je vais en profiter. Et je vous dis à plus dans le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre la cloche aussi. Pour savoir des nouvelles, quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Salut tout le monde et portez-vous bien. Chauffez le petit train, chouchou. Ah, maintenant, c'est fini. Oh, bah c'est fini. Bon, bah allez, salut tout le monde, les portes bien. Oh putain, le dégât qu'on a fait, par contre, regardez avant de quitter ça. Ah oui, elle a fait des dégâts. Bon, c'est pas vraiment nous, c'est plus la bête, mais on a fait un peu de dégâts aussi, hein, quand même. Nous deux, allez, c'est nous deux, voilà. On se partage le truc quand même, voilà. Voilà, allez, salut tout le monde, les portes bien.